Bon, comme chaque année, il y a du bon, et il y a malheureusement aussi du mauvais. Bon, après, le mauvais, selon moi, cette année, a été bien condensé, ce qui fait que le classement a été plutôt logique à faire. Bon, pour être honnête, même si j'ai vu pas mal de mauvais films cette année, j'en ai pas eu tant que ceux-là des réellement catastrophiques. Même certains que les gens ont profondément et totalement détestés, j'ai eu la sensation qu'il y avait tellement pire derrière que franchement, pour le coup, il n'y en a qui méritaient pas du tout de finir dans un flop. Certainement pour cela que je n'ai pas mis tant de blockbusters que cela, alors que beaucoup d'autres en ont mis un paquet dans leur classement. Gardez en tête, comme pour le top 10, que ce classement est totalement subjectif. Il ne m'appartient qu'à moi de considérer un film comme mauvais ou non, et si vous vous attendez à voir Astérix et l'Empire du Milieu dans ce classement, je vous le dis tout de suite, vous allez être déçus, parce que j'ai trouvé bien pire selon moi cette année que ce métrage. Je vous l'assure. Alors plongeons dans les abysses de cette année cinématographique et explorons donc les possibilités du pire comme du pire. Voici donc mon flop 10 de l'année 2023, à commencer par le numéro 10. Parce que je pense que ces personnages ont atteint la ligne d'arrivée, peut-être même depuis le volet précédent. Bon, je ne vais pas non plus dire que c'est la catastrophe, car le précédent métrage, même s'il était un peu meilleur, nous avait un peu préparé à ce que l'on allait voir ici. Mais c'est un peu dommage, car d'un côté, c'est Louis Leterrier à la réalisation, donc un petit Frenchie, qui a du mal à apporter un petit plus à la saga, et en plus, c'est clairement le premier volet d'une conclusion en deux temps, et cela donne pas très envie de voir la suite. En soi, on a de l'action. On rigole un peu, on se laisse embarquer dans le délire, donc cela, aucun souci. Ça fonctionne. Mais après, on ne va pas se mentir, le long métrage a énormément de mal à tenir la route derrière, sonne vraiment comme un espèce de prétexte pour en faire encore des caisses, et on sent que plus grand monde dans le casting croit encore à ce qu'ils sont en train de faire, ce qui est vraiment dommage. On verra si la suite fonctionne, mais j'ai du mal à y croire, clairement. Passons donc au numéro 9. Parce que j'ai envie de dire, arrêtez de donner le grand écran à des humoristes qui n'en veulent pas. On a eu de nombreux exemples par le passé. Des surprenants comme Franck Dubosc qui s'avère être un bon réalisateur, comme Gad Elmaleh qui fait n'importe quoi avec ses personnages mais qui est attachant en étant introspectif. Et on a des exemples comme celui présent ici, en l'occurrence un film de PEF, qui sonne comme très lourd, emmené par Jeff Panaclock, qui n'a même pas participé à l'écriture de ce film. On sent clairement que c'est une œuvre qui est là uniquement pour capitaliser sur le succès du marionnettiste et ventriloque, et rien de plus. Tant cela semble évident par moments que l'ensemble du métrage n'est qu'une vaste repompe du côté vulgaire de la marionnette qu'est Jean-Marc, sans rien de plus à ajouter que simplement un paquet bien conséquent de vannes graveleuses, une ambiance lourde qui se voudrait grand public et qui ne marche pas, et aucune réelle idée de mise en scène qui ressorte si ce n'est que PEF fait des caméos un peu rigolos. Et Panaclock en plus est une catastrophe en termes d'acting face à nous. Passons au numéro 8. Parce que la malédiction des jeux vidéo au cinéma continue. Et sur le papier, cela ne sentait pas bon à la base. Même si les gens à la base du récit, y compris l'auteur du jeu, étaient là pour essayer de nous faire croire que l'idée pouvait marcher, honnêtement, cela sentait très mauvais dès le début, et au final, le long métrage des Matami est juste débile. Débile dans son sens le plus pur et le plus simple, sans la moindre profondeur ou justesse de composition, c'est simplement con. Que ce soit les personnages, que ce soit la structure du scénario, qui place des choses mais qui ne les utilise jamais, que ce soit l'ensemble d'un univers qui n'est utilisé que pour vaguement faire avancer les protagonistes, on sent que l'ensemble est juste là pour capitaliser à fond sur ce que les gens avaient eu entre les mains, sans cerner ce que les gens voulaient voir sur une toile de cinéma, soit un ensemble un minimum cohérent, et surtout, pas du cinéma, pas de l'exposition et des retournements clownesques. Mais forcément, ça a marché. Donc au risque de se retaper un petit peu de cet univers dans le futur. Passons au numéro 7. Parce que c'est pas non plus Dragon Ball Evolution, mais c'est pas très loin quand même. Disons que dans son genre, le film de James Wong est tellement catastrophique et irrespectueux que c'est difficile de faire pire. Mais dans sa catégorie, il est indéniable que le long métrage de Thomas Baginski n'est clairement pas une œuvre que l'on retiendra pour sa justesse de composition et pour son envie de respecter l'univers à la base de toute une génération de fans français ou japonais. Au bout du compte, c'est assez moche. En plus de cela, le récit n'est qu'une longue exposition de personnages sans réel impact ou intensité cinématographique. Cela sonne simplement comme un projet sans argent,
ou en tout cas sans réelle envie de nous transporter dans cet univers, donnant au bout du compte la sensation que c'est beaucoup trop long pour ce que c'est assez inutile même dans son genre, et que même si l'on peut sentir qu'il y a un peu d'investissement de la part des acteurs, cela ne rattrape pas l'impression que cela est fait sans envie et sans passion. Un film plat, alors que normalement tout reposait sur de l'épique. Passons au numéro 6. Parce que ce mélange est tout de même très improbable. Imaginez, sur le papier, que l'on vous vende une adaptation d'Honoré de Balzac, sachant que dernièrement, cela a donné Illusion perdue. Cela donne envie. Bon, maintenant, vous ajoutez que c'est Ariel Dombal qui veut le faire, et je suis sûr que vous avez des visions un peu cauchemardesques qui viennent se mêler aux résultats que l'on risque d'avoir, et vous avez clairement raison, mes chers. La réalisatrice, slash scénariste, slash actrice s'en donne à cœur joie pour en faire des caisses, pour enchaîner les scènes lourdes et sans profondeur, le tout dans un écran cinématographique à la limite du mauvais goût, mais qui sonne simplement comme du kitsch, dirons-nous. Même si franchement cela insulte le kitsch de faire la comparaison. Et au bout du compte, vous avez un film court, certes, mais terriblement indigeste, qui ne prend jamais le temps d'être cohérent ou simplement bon, et qui enchaîne les instants d'acting de mauvais goût et les élans dramatiques complètement à la ramasse. Un mauvais film fait par une mauvaise cinéaste, et qui plus est, une mauvaise actrice. Passons au numéro 5. Parce que selon moi, le début de la fin de l'ère super-héroïque, il est là. Autant les autres films sortis cette année ne sont pas bons, voire même assez mauvais dans leur genre, autant celui-là réunit toutes les cases pour sonner comme l'œuvre sans intérêt, mais qui veut continuer à nous faire croire en la profondeur des personnages et en la passion des comics d'une firme qui a clairement décidé que si l'on ne suivait pas les 3 séries annexes, les 7 films liés à l'univers plus les courts-métrages à côté, nous serions perdus et tant pis. Ainsi, le film de Nia DaCosta, s'il n'est pas non plus une catastrophe esthétique, reste un film mou, sans saveur ni puissance dramatique, totalement inutile d'un point de vue narratif, tant on sent que tout a déjà été placé avant, et que ce qui se passe ici n'aura finalement que peu d'incidence sur la suite des aventures de notre héroïne, et c'est un peu dommage de se dire qu'un tel projet, réunissant tout de même assez de talent pour normalement au moins fonctionner, ne soit tout simplement pas capable de faire le minimum syndical. Dommage, mais terriblement prévisible en un sens. Passons au numéro 4. Parce que montrer du vide en racontant du rien, c'est pas ça faire du cinéma. Il y a des auteurs avec qui on a du mal une fois sur deux. J'ai le même souci avec Mia Hansen-Love, dont j'apprécie un film sur deux, mais là pour le coup, Claire Denis enchaîne les déceptions, puisque déjà présente l'année dernière dans le flop avec son long métrage Avec Amour et Acharnement, elle enchaîne donc cette année avec un grand prix du Festival de Cannes qui fait office de prix pour sa carrière. Car s'ils avaient souhaité récompenser cette œuvre, je ne comprends pas ce qu'il y a à récompenser ici, tant l'écriture ne donne rien à manger aux spectateurs, tant la mise en scène est foncièrement nulle, voire même banale comme c'est pas permis, avec ce besoin constant de filmer ses acteurs nus sans leur donner de relief ou d'intensité, jouant même sur l'ambiguïté d'une héroïne qui se prostitue pour avoir des infos. Bref, franchement, au-delà d'être mauvais, c'est tout simplement ennuyeux et radicalement inintéressant du début à la fin. C'est très mauvais, et c'est vraiment inutile. Mais passons à la crème de la crème maintenant, le pire du pire de cette année 2023 selon moi, avec le top 3, à commencer par un splendide numéro 3. Parce que baser un film uniquement sur de la lèche auprès des artistes, c'est pas une bonne chose en fait. Kelly Reichardt est une cinéaste fascinante, n'ayant été révélée chez nous qu'assez récemment, mais ayant derrière elle une carrière assez imposante nous embarquant dans des univers riches et pleins de fantaisie, mais parfois cherchant à porter à l'écran des histoires un peu trop loufoques, comme c'est clairement le cas de son œuvre Showing Up, qui sonne comme une espèce de thérapie sur le monde de l'art, qu'un vrai film. Le long métrage est d'une lourdeur rare, donnant la sensation de durer beaucoup trop longtemps pour ce qu'il a à nous raconter, mais en plus de cela, on sent que rien n'est fait pour nous attacher à l'héroïne, ou même simplement en faire une protagoniste un minimum intéressante, et nous avons simplement la sensation de voir un personnage détestable dans un film qu'il est tout autant, pour une œuvre sans le moindre intérêt, sinon de prouver que parfois, certains films ne sont pas très utiles, même avec une grande cinéaste aux commandes. C'est mauvais, maladroit, bancal et particulièrement pompeux en plus de cela. Passons au numéro 2. Parce que
Qui s'est dit que ça serait une bonne idée de faire ça? Qui s'est dit que l'on avait envie de voir une origin story à une histoire qui a toujours eu du mal à être portée à l'écran, que ce soit le petit ou le grand d'ailleurs, offerte tout de même par un grand monsieur de la littérature et du cinéma fantastique américain, mais qui démontre souvent que son univers, aussi passionnant soit-il, n'est pas toujours fait pour être porté sur un écran, qui plus est lorsque l'on brode à partir de quelques lignes. C'est ce qui se passe avec le film de Lynn Zebir, qui non content d'être déjà une très mauvaise adaptation de Stephen King, s'avère en plus être un des pires films d'épouvante que j'ai vu depuis très longtemps, démontrant que le genre peut aussi frôler la parodie et l'usure, tant on sent que la cinéaste ne cherche jamais à donner de la profondeur à ses clichés, ne cherche jamais à sortir de ceux-ci d'ailleurs tout simplement, s'entoure d'acteurs principaux médiocres, donnant la sensation que les secondaires, pourtant très bons, ne sont là que pour rattraper les pots cassés, bref... On est sur un magnifique exemple de catastrophe créative et industrielle qui ne devrait normalement plus voir le jour. Espérons que ce sera le cas. Mais dites-vous qu'il y a pire. Parce que cette année, j'ai vu un truc qui est une suite. Et je m'attendais à du mauvais. Mais je m'attendais pas à ce qu'on se moque de moi en plus. Voici mon pire film de l'année 2023, le numéro 1. Parce que... Bah j'ai pas de mots en fait. Franchement, j'ai voulu le voir pour le croire. Mais oui, ça existe bien. Il y a eu un deuxième film autour de ces personnages d'attardés que sont les dégains. Et devinez quoi? C'est même pire que le premier, je crois. J'avais déjà trouvé le premier métrage mauvais, voire même très mauvais, mais alors là, ils ont encore mis la barre particulièrement haute, surtout en sachant que dans le premier, il y avait l'erreur d'essayer, donc peut-être de se planter, mais là, ni Claude Zidi Jr. ni Cyril Drew n'ont essayé de sauver la mise. Non seulement c'est pire, mais personne ne semble vouloir faire le minimum syndical pour sauver tout ça, voire même plus, pour le plomber de bout en bout. Et vous savez ce qui me fait le plus mal? C'est qu'il y a 500 000, je répète, 500 000 spectateurs qui sont allés voir ça. Et oui, même un peu plus. Donc ça veut dire que ça a marché. Ça veut dire que des gens se sont dit que c'était une bonne chose d'aller voir cette horreur et potentiellement vont permettre à ce métrage de donner lieu à un troisième volet. Parce qu'avec un tel chiffre et le peu d'argent que ça doit coûter, c'est obligé. Ils vont faire un autre film. Mais alors franchement, non, ne faites pas ça. Surtout pour les deux acteurs principaux qui ne sont pas des acteurs, qui ne sont pas bons, qui sont même catastrophiques, à l'image de ce film en fait, qui n'est jamais intéressant ou même prenant, alors qu'il fait 1h28. Mais c'est beaucoup trop long pour ce que c'est. Donc s'il vous plaît, arrêtez d'aller voir ce genre de truc. Même si vous voulez vous taper une barre, hein, il est bien mieux sur internet et ça sera moins condescendant que de donner de l'argent à des gens qui s'en foutent complètement. Voilà. Voilà, voilà, on a traversé le pire du pire de cette année 2023 selon moi. Alors j'attends de voir ceux qui vont me dire encore une fois qu'il manque des films. Oui, je sais, vous vouliez voir un petit Gaulois là-dedans, c'est pas mon cas. Je trouve que les films que j'ai cités sont bien pires, voire même vraiment bien pires. Mais dites-moi dans les commentaires quels sont vos pires films de cette année. Et je vous dis à demain pour terminer cette petite semaine de top et de flop.